Je m'appelle Aissata Mamadou, je viens du Niger. Bon, j'étais chercheur, ou bien je suis chercheur à l'Institut national de la recherche agronomique du Niger, mais actuellement en formation doctorale à l'Université de Ghana. Oui, bien sûr, la découverte, je l'ai faite. C'est quoi? C'est le fait, en fait, de prendre conscience de ces changements climatiques et de pouvoir associer les sélectionneurs, sinon les améliorateurs de plantes dans ce travail. Parce que nous savons que dans la sous-région, sinon en Afrique d'une manière générale, nous ne vivons que des cultures spécialement que vous avez citées, le mil, le sorgho, le riz, l'arachide. Et que voir maintenant que ces sélectionneurs sont impliqués dans ce programme, je trouve que c'est formidable. En tant que sélectionneur, nous sommes appelés à créer des variétés. Et je crois que si nous pouvons créer des variétés, des hybrides, ou bien améliorer des variétés, dans le sens où elles peuvent aller dans le cadre du changement climatique, il n'y a pas de problème. Et je suis sûr qu'on peut le faire. Parce que actuellement, nous suivons un programme de formation à l'Université de Ghana, dans un centre appelé Centre Ouest Africain, où on forme des sélectionneurs de plantes, des améliorateurs de plantes. Et je pense qu'on a un rôle à jouer. Il n'y a pas de problème. Développement de ces stratégies. De plus en plus, les impliquer dans vos travaux, vos activités. À chaque fois que vous faites des activités, il faut impliquer, et que ce soit les WAKI ou bien les sélectionneurs, dans vos cadres des activités. Donc, il faut les prendre à la base. Maintenant, quand vous les prenez à la base, ils suivent exactement au fur et à mesure ce que vous êtes en train de faire. Il n'y a pas de problème et on peut s'en sortir avec quelque chose de formidable. Et quelle sera la valeur ajoutée des étudiants dans ce cadre? Moi, je pense que nous contribuons beaucoup dans ce que nous sommes en train de faire, même en tant qu'étudiants. On n'a pas encore soutenu mes thèses, mais je pense qu'on est en train de faire quelque chose d'important dans ce que nous sommes en train de faire. Et les thèmes que nous sommes en train de développer aujourd'hui, les étudiants, nous sommes déjà sur le terrain et nous connaissons exactement ce qui se passe, les contraintes, ce qui nous attend, le futur de et nous avons entre notre mot à dire dans ce qui est en train de se faire.